Francky, je te présente Issa. Ouais, salut. On se connaît déjà, je crois. Ah oui? Il me semble, là. On avait fait des soirées ensemble, là, non? Ouais, je sais pas, peut-être. Hein. Moi, tu sais, j'ai enchaîné une soirée sur soirée. Hein. Bah, Le soirée négo sur... est infatigable. Ah. Un peu plus de Si, je sérieux, crois qu'on Issa. s'est Pardon. déjà... On s'est déjà croisés, je crois. Ok. Ouais, c'est possible, c'est possible. Issa, bah, je te laisse expliquer du coup par rapport à ce qui s'est passé hier et tout ce qui s'ensuit. Et je te laisse aussi te présenter pour Francky, parce que vu qu'elle te connaît pas. Pas de problème. Bah, du coup, je m'appelle Issa. J'ai Dis rencontré ton Loire surnom le mois aussi, comment on dernier. t'appelle en public quand c'est le business. Ah ouais, on m'appelle Snake principalement, parce Ok. que c'est mon animal fétiche, mon animal totem. Après, Ouais. du coup, j'ai rencontré Brad au moment où il y a eu des petits soucis à base des présidents qui fait des bêtises avec des joujoux dont il devrait pas avoir accès. Genre en mode masque à gaz, tout ça quoi. On a sympathisé et puis voilà. Du coup, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à charbonner un peu pour histoire, pour trouver plutôt des informations sur les drogues. Donc on a été voir au motel ce qu'ils fournissent comme bail. Ils peuvent nous fournir de la weed, de la coke. Qui signifie qu'ils savent où la trouver. Après ça, on a vu les balas aussi, qu'on a pu aller voir. Les balas, après un peu de manipulation, on va dire, à base de j'ai pas assez de thunes, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je bosse pour vous en échange de weed plutôt que je paye avec de l'argent? Ils ont l'air d'être pas de pas être réfractaires à ça. Ils sont même plutôt ok, mais il faut qu'ils en parlent avec le Roji. Donc on a discuté avec eux, on a un ennemi en commun, c'est le mec qui s'appelle Biggie, je sais pas si t'en as entendu parler. Non. Bah tu verras sur les réseaux, c'est un mec qui fait beaucoup le malin, qui ouvre beaucoup sa gueule, mais qui fait surtout Qui m'a chopé aussi beaucoup de quand j'étais tout conneries. seul Et et... à un moment ça va lui retomber dessus. Oula là. Il fait partie de quoi Bah d'ailleurs? il fait partie d'un groupe en formation, mais c'est un groupe de branquignols, c'est des mecs qui traînent au niveau d'un autre motel que bah, le motel où ils vendent des bails là. Et eux ils sont vraiment mal organisés, ils ont l'air d'être cons. Donc bon. Après ça, du coup, ayant un ennemi en commun, on a pu se mettre d'accord sur le fait que on pouvait faire de l'échange de bons procédés, c'est-à-dire nous on veut bien leur fournir des informations. Mais soit contre des informations équitables, égales, on va dire. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à pouquiller des trucs pour rien. Soit contre de la thune, justement, pour avoir ça. Les mecs sont plutôt chauds, mais pareil, on n'est pas tombé sur des gars super haut placés, on va dire, dans leur quartier. Donc il fallait qu'ils en parlent à leur OG. Après ça, ils nous ont dit que si on chopait des numéros de Vagos ou de Families, ou qu'on pouvait choper... Là, il parle des balles, Littéralement hein. des vagos ou des familles, il n'y avait pas de problème. Oh, les balas, ouais, tout le monde. Hier, on a eu un entretien avec justement les ballasses en question, et en gros, ils sont capables de payer pour qu'on leur donne des informations, etc., etc. Moi, je leur ai dit que les Bah, informations, attends, ça sera parce que pas là, gratuit. j'essaie de remettre dans le contexte, parce que moi, je connais pas tout le monde encore. Donc, on a les jaunes, c'est les vagos. C'est ça. On a Les les balas, les vex, violets. Et les les familles, vex, les verts. les familles, les Et le verts, motel. et le motel, et on a les chinois. Les Chinois, je sais pas s'ils vont partir d'un truc. Eh ben, il faudrait peut-être creuser. C'est vrai. Bonne question. Bonne remarque. Parce que moi, j'ai un rendez-vous avec les Japonais. Ouais. Et ils m'ont dit qu'ils avaient ils allaient avoir... Ils allaient ouvrir un resto et qu'ils allaient certainement ouvrir un casino. Donc, casino sans coque, ça m'étonnerait. Ouais, c'est Après, vrai. je dis ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai. Je vous laisse parler vite fait, je reviens, j'ai un truc à faire. J'arrive, hein, j'arrive dans une seconde même. Je vous laisse parler, Issa, je te laisse continuer, je vous laisse, j'arrive. Ça va J'ai un vite. truc pour toi, Franguy. Tout va bien se passer. Je vais lui donner la coque, elle sera contente. Ouais.
non, on est d'accord avec une salle au fond, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'inquiète. Après, c'est pareil, je Tiens, sais tranquille. que. Je me suis trouvé une couverture assez pépouse, c'est-à-dire que je bosse pour le Unicorn. Ouais, t'inquiète. Et du coup, avec ça, je peux tchatcher avec pas mal de monde de manière à. Tu sais, les langues se délient quand il y a un peu d'alcool ou qu'ils sont à l'aise, donc c'est pratique. Après, je sais que mon patron, il a pas l'air de traîner que dans des bails très propres. Je sais pas encore ce que c'est, je suis en train de chercher. Je sais que. Je sais pas si c'est vendredi ou si c'est demain, mais il veut organiser une soirée caritative pour une association pour les SDF. Une association dont on l'a jamais entendu parler. Donc bon, après, je veux pas commencer à. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Oui, non, c'est ça, je veux pas sculer, mais à mon avis, il va juste récupérer de la thune pour ses petits business à lui. Et puis, crois-moi que les SDF, ils en verront pas un rond. Hein. Tu l'as parlé de Monsieur W? Ah ouais, non, pardon, ouais, il y a un négro qui se fait, enfin, un négro, on sait pas trop comment il est, mais qui se fait appeler W, qui engage des mecs dans la rue, qui leur promet qu'ils vont crever ou qu'ils vont les buter s'ils vendent pas sa cam, et du coup, les mecs sont forcés à vendre sa cam dans la rue. Moi, ceux sur qui je suis tombé, ils vendaient de la coke. J'ai essayé d'avoir deux ou trois infos sur le W en secret, en leur disant que je travaillais pas avec des gens qui bossent avec un dark chat, je travaille que avec du monde qui... En qui je peux avoir confiance à base de attends, numéro de attends, attends, téléphone, y a un mec histoire. Qui met des coups de pression dans la rue pour Ouais, tirer ouais, le ouais. sac à... Il chope des vendeurs dans la rue en Sérieux? leur disant que s'ils vendent pas, ils les butent. C'est quoi ce malade là? J'ai dit à Raoul que Non, je voulais le mais choper, hein. il veut juste écouler sa cam, je pense, Mais et puis se faire connaître. lui, il faut le choper et l'éliminer direct, hein, ça c'est dangereux, hein. Ouais. Ouais, non, Et clairement, mais de toute façon, là, c'est. Ça va se À faire. savoir que moi, cette information-là, c'est pas Issa qui me l'avait donnée sur le coup, il me l'a donnée après, mais à savoir que c'est Cory qui m'a donné l'information. Cory est revenu vers moi, il m'a donné les infos, etc. Et je lui avais rien demandé, hein, il m'a donné des infos et tout, donc assez cool. Je pense, personnellement, mon point de vue, ce qui peut être pas mal, c'est qu'on sait que les families contrôlent toute la weed. On est bien d'accord jusqu'à là. Je pense que ce qui peut être pas mal, c'est de donner à manger aux balas. Si on leur donne à manger, ils vont nous être redevables. Ouais, mais toi, t'avais un familiste devant toi tout à l'heure au Unicorn. T'as pris son numéro, t'as pris un truc. J'ai déjà le contact de l'OG des Families ainsi que les sous-chefs, donc t'inquiète pas pour ça. Ouais, mais ce serait peut-être mieux qu'on arrive à choper une petite frappe plutôt qu'un OG. Ah oui, ah, tu veux qu'on... Ah oui, mais ça on a oublié de lui dire. Il y a les balas, en gros, ils nous ont dit comme quoi que si jamais on arrivait à choper un familis pour eux et qu'on les Ouais, je appelait. lui ai dit ça. Ok. Donc je sais pas ce que t'en penses. Attends, tu peux me la refaire? Choper un familis et le balancer au bagos? Oh, Au non, balas? au balas. Mais pourquoi En on gros, ferait les ça? Balas, tout ce qu'ils veulent, c'est éliminer les membres des autres gangs. En l'occurrence, les Vagos ou les Familiz. Ouais, donc Donc ils nous ont super dit, si vous conseil. en chopez un, vous nous appelez. Parce que là, ils savent quoi sur nous, les balas? Ils savent rien du tout, mis à part que bah on recherche de enfin on recherche de quoi vendre, La etc. drogue, quoi. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Vous non, avez pas des tout ce idées? qu'ils pensent, c'est qu'on est Non, non, deux non. potes avec Brad. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'ils pensent. Hein. Ok. Ils pensent pas Ouais. qu'on est une organisation, ils pensent rien du tout, hein. Moi je te le dis. Hein. Ouais, parce que s'ils veulent éliminer tout le monde, dans ce cas, ça veut dire que nous aussi, quoi, indirectement, tu Non, vois? non, non, c'est pour ça qu'il faut se mettre en bon terme avec eux. Ouais. Et puis même, en fait, le truc, c'est qu'on joue la carte envers les balas, tu Ouais. vois. Mais on peut très bien aussi jouer la carte envers les familles. Celui qui a le plus gros à nous rapporter, et ben on balance l'info, tu vois. Bah c'est ça, je suis bien d'accord avec toi. Il faut les mettre en concurrence un peu tout ça, tu vois. C'est en fait le plus gros qui va nous rapporter l'info, bah, enfin le plus gros qui va nous donner, enfin bref, peu importe ce qui s'ensuit, bah en fait on va leur donner à manger, tu vois. Ouais. Ouais, je voulais dire par rapport à Duke, t'as des nouvelles? Ouais, il vient de m'envoyer un message. Alors? Il me demande quoi de neuf. Ok. Moi, je voudrais savoir en fait qu'est-ce qu'il peut nous apporter en vrai. Pour l'instant, ben, je sais que... Enfin, là, comme je l'ai pas vu, je sais pas, peut-être qu'il va me raconter des choses ce Parce soir. que s'il était du motel, ça veut dire qu'il sait beaucoup beaucoup de choses, tu vois. Ben, bien sûr, mais crois pas, hein. Crois pas. Je dis pas qu'on veut faire confiance, mais Ah non, ah surtout pas, hein. non, Surtout non, fais non, pas non, non, le confiance. motel, de toute façon, ils me l'ont mis à l'envers une fois, ça suffit, tu vois. Non, Mais non, ce mais que je vais essayer de choper des infos.
je pense que tu peux t'en servir, tu vois. J'y vais progressivement parce qu'il est pas facile à... Il est difficile à cerner, tu vois. Faudrait que t'ailles le Moi, je voir fasse une seul. erreur parce qu'il a une arme, tu vois. Donc, si je fais une erreur, qu'il croit que je me fous de sa gueule ou quoi, il peut très vite m'éliminer, en fait. Ouais. Il faudrait que t'ailles le voir seul et que tu vois, tu poses des questions sans trop en poser non plus, tu vois. Tu fasses Il le faut juste que, il faut milieu. juste qu'on se rapproche, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut qu'on se rapproche et que... Je pense qu'il se sert de moi aussi, de toute façon. Pour être... Pardon. Attends, il y avait quoi là? T'as foncé dans Je mon sais mur? pas ce qui s'est passé. Ouais, bah ouais, mais je pense que le moyen, ce serait d'aller le voir seul et que tu lui parles un peu, tu vois, que tu fasses un peu ton truc de ton côté. Et nous, tu Ouais, nous mais tiens au t'inquiète, courant par hein. la suite. Là déjà, je prends contact par message et tout. Enfin, j'y vais Parce que, en progressivement, fait, le tu vois. truc, je t'explique, hein, je te donne mon point de vue. La dernière fois, là, quand tu l'as rencontré, il y avait d'autres mondes autour, tu vois. C'était pas Ouais, forcément une ouais. bonne idée, tu vois, parce que même l'avocat, il a Non, posé mais des c'est pas questions et grave. tout. Mais c'est pas grave, genre, j'ai le droit d'aller parler avec des gens, je veux dire. Le truc, c'est que moi, je savais pas qu'il était cherché, tu vois. Maintenant, je le sais. Bah, moi non plus. Donc, en fait, là, maintenant, il faut que je fasse gaffe à quand je le vois, etc., tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire.